Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Maxime. Maxime qui a fait appel à nous parce qu'il a un léger problème. Il va nous l'expliquer tout de suite. Maxime est homosexuel. C'est un crime contre l'humanité. T'as rien fait de grave. Et il voudrait l'avouer à son père. On va laisser parler Maxime. On va y poser quelques questions. Donc bonjour Maxime. Depuis quand tu as découvert que tu es homosexuel? Depuis quand tu l'as compris déjà? Quand j'ai compris, c'est le collège. Au collège, c'est une assez tôt. D'accord. Et tu es. Pourquoi tu l'as jamais dit à tes parents? La peur, oui. La peur de quoi? Crainte. De quoi? La crainte de quoi? Son père, c'est les colériques. Nerveux. D'accord, et il est quoi? Les femmes, raciste, plein de choses contre les arabes, les noirs. D'accord. Donc du coup, ça va avec un arabe en fait. Donc aujourd'hui tu as fait appel à nous parce que tu En fait je veux lui annoncer, c'est ça, j'ai créé mon père et je veux que vous soyez là pour voir sa réaction parce que je sais comment elle va. T'as peur que ça dégénère qu'on soit là. Mais en fait déjà ça nous rassure un peu qu'est-ce que nous êtes là. Et niveau de mon père, je sais comment il va réagir. Et... Ah ouais, je vous dis la vérité, j'ai peur. J'ai peur et j'ai pas du tout envie de faire cette vidéo. Mais il faudrait qu'il crée que le gouvernement crée des services pour les gens qui veulent annoncer à leurs parents, tu vois, et que je sais pas, qu'il y ait quelqu'un, un genre de médiateur comme nous, tu vois. Il est capable de nous frapper. Bon, ce qu'on va faire, on va l'appeler, on va lui donner rendez-vous dans un endroit neutre et on sera là quand il viendra. Okay. On filmera tout en caméra. Parce que peut-être que s'il voit la caméra, peut-être qu'il va faire autrement, tu vois. Puis le papa, on lui donne rendez-vous et on vous refilme tout ça. À tout à l'heure. Bon, les gars, on va appeler son père. Bon, il va arriver, on va aller au parking où tu lui as donné rendez-vous. Ça casse pas quoi, ça m'arrive. Bon allez, on va sur les lieux et on se remet à filmer une fois qu'on est là-bas. Parce que je sens qu'il est pas trop à l'aise le frérot. A toutes. Donc là on attend son père, il a appelé, il devrait arriver d'ici 10 minutes. Donc on attend avec Maxime. Il t'en a pas que très peur. Ouais je sais, mais t'inquiète, je suis là. T'inquiète. Bon, parce que c'est le colérique. Ouais, je sais. Là c'est toi qui nous a appelé pour lui dire, donc à un moment donné, voilà. Et il le prendra comme il le prendra quoi. Ok. Et quand il arrive, on se remettra à filmer en caméra cachée. A tout à l'heure. Salut. C'est mon père. Salut. N'ayez pas peur, dis-moi les choses. Bonjour. Ça va. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, vous allez bien? Ça va. Ouais. Calme-toi, tranquille. Calme, dis-moi. Peut-être un peu... Qu'est-ce qu'il y a? Me déranger, je suis tranquille à la maison, je me détendais. Et ce qu'il veut. Tranquille, mon boy. Je suis une collègue. Il y a votre fils, moi, je suis un ami à votre fils. Pas du tout. Écoute, ça fait longtemps que je le connais. Ouais, c'est... Ouais. J'écoute. Pas bon. C'est ça, mais genre... T'as vu, je t'aime et tout. Ouais. Tu m'as... Oh, tu parles? Attends, parce que c'est... Je sais pas comment tu vas le prendre. Quand tu veux le prendre bien, quand tu peux le prendre mal. Bon, dis-moi. Paps, écoute. Arrête de m'appeler Paps. C'est pas fort ou rien. Il faut que je te dise quelque chose de ça. C'est sûr. J'ai enfin trouvé quelqu'un. Ah! Ah, ça va mieux, aussi. Que tu ailles m'annoncer un truc. Tu as mis le fille enceinte. Ça fait longtemps? Ça fait à peu près 2 ans, 3 ans. Paps, écoute. Arrête de m'appeler Paps. Moi, parce que ton ami redescend. Arrête de m'appeler pas. Je t'ai toujours dit arrête. Papa ou rien. Pourquoi vous voulez pas qu'il vous appelle comme ça? Ça fait péné, ça fait. Qui c'est? Tu as jamais une fiancée? Tu vas te marier? C'est quoi? Quoi, je suis une crasse, moi? Non, mais tu es colérique, tu es nerveux, tu es alcoolique et genre, j'ai peur de t'annoncer ça parce que je sais pas comment tu vas réagir. Ça, c'est mon problème, ça. Mais non, mais oui, c'est justement, ton fils, ça va. Tu as quelqu'un enceinte? Ah, parle. Non, je vais me marier avec quelqu'un, mais voilà. Ça te marie avec quelqu'un? Ouais. Ah.
Bon. T'as marié avec quelqu'un, ça fait 2 ans que tu es avec. Ouais. C'est le lundi, je me le dis. Ouais, je me casse les. Le seul jour de repos, je suis tranquille chez moi devant le PMU, là. Tu me casses les. Je te casse les parce que j'en ai besoin de te le dire. J'ai besoin de te le dire, j'en ai marre de te mentir. Tu peux pas me le dire ce matin, tu peux pas me le dire hier soir. Mais je peux pas te mentir, j'arrive pas, c'est pour ça qu'il est là. Genre, j'ai pas envie de te mentir. Ça fait plus longtemps. Parce que tu es colérique. Monsieur, moi je vous explique, en fait, c'est juste que il vous crée un peu. Non mais papa, ça va me réagir comme ça. Je suis désolé, je te manque pas de respect, je te connais pas. Je vais être ton collègue, ton ami. Mais d'abord, je veux parler avec lui, je veux que ça sorte de sa bouche à lui. Ouais, d'accord. Alors, moi, je vous explique. Pourquoi il a peur de parler avec vous? Parce que vous lui faites peur. Votre fils. Vous lui faites peur. Donc après, moi, je lui fais peur. Il a raison aussi d'écouter. Qu'est-ce qu'il me cache? Mais sûr, jamais de m'énerver parce qu'il me dit pas, il croit que ça. Mais si, genre, si vous cache quelque chose. Ouais, je sais pas, je vais me casser les. S'il vous cache quelque chose, c'est peut-être parce qu'il a peur de vous parler aussi. Ça fait 2-3 ans que j'ai envie d'être avec cette personne, que maintenant ben, ça s'est concrétisé, que j'ai envie de faire ma vie avec cette personne-là. Hein? J'ai envie de tout faire avec cette personne et ouais, je l'aime, voilà, je l'aime. Bon, c'est quoi alors? Non, c'est le mot. Mais pourquoi c'est propos raciste de chier? Bah les couilles, hein? Et alors, c'est quoi c'est propos raciste? J'ai une copine avec une princesse. Mais pourquoi ça? Pourquoi tu dis que c'est arabe, romaine, noir? Et alors, c'est quoi ces propos racistes? Bah dis-moi alors, pourquoi c'est avec nous? C'est avec l'arabe? C'est avec le noir? Mais monsieur, ça fait quoi que ce soit avec une arabe? Parce que je comprends pas, là pourquoi je voulais pas venir. Mais qui te dit que c'est pas un arabe, toi? Je m'en bats les. Bah alors arrête d'être raciste comme ça. Je m'en bats les. T'es raciste comme ça. C'est ça qui m'énerve. C'est avec les deux. On peut repartir sur une conversation tranquille. Ouais, moi je veux savoir. Voilà. Moi je veux savoir parce qu'il est en train de faire briller. Il me casse les couilles d'image. Dis-moi, demain je travaille, je crois que j'ai que ça à foutre. Je me lève à 3h du matin. Tu crois que j'ai que ça à foutre? Bah tu me questionnes quoi? Tu vois pas de même manière. Tu rentres à 3h du matin. Tu crois que c'est pour faire quoi? Hein? Faire quoi? Attends, moi je me suis dit quoi? Tu es un jeune de. Quoi? Tu vas en boîte? Tu vas comme tout le monde? Non, je vais chez mon mec. Tu vas chez ton quoi? Tu m'as dit? Tu vas chez ton quoi? Monsieur. Tu vas chez ton quoi là? Monsieur. Quoi, dis-moi, tu me pousses? Tu vas chez ton qui? Monsieur. Tu vas chez ton qui? Je vais t'exploser la tête. Tu vas chez ton qui? Mon mec? Non, c'est calme. Levez-vous, là, hein? Non, je vais pas vous laisser le frapper. Levez-vous, monsieur. Je vous laisserai pas le frapper. Je vous laisserai pas le frapper, monsieur. Je vous laisserai pas le frapper. Chacun de prier. Je vous laisserai pas le frapper. Tu suis ton mec de ta mère. Tu suis ton mec. Monsieur. Monsieur. Mon fils, c'est mon fils. Monsieur, s'il vous plaît. Oh. Hein? On arrête? Hein? On arrête. Écoute-moi, ce soir, tu rentres pas à la maison. Et ta mère, elle va prendre ta mère. Mais je dois cacher toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Monsieur, qu'est-ce que. Pourquoi? Mon fils, c'est le PD. Oh. Et pourquoi tu es mon frère comme ça? Ferme ta gueule. Oh, monsieur. Depuis combien de temps j'ai envie de te frapper. J'ai dit ça fait 3 ans. Je me dégoûte. Ah, tu crois que c'est normal? Tu crois que je l'ai dégoûté à l'autre moi? Ah, écoute-moi, ce soir tu rentres plus. Je veux plus te voir. Tu veux le mettre dehors, mon fils? Bien sûr que je le mets dehors. C'est un pourquoi? Je peux le voir avec toi? C'est un raciste. Parce que c'est moi, je vais mettre la main dessus. Pourquoi ça, me calmer? Je veux le mettre dehors. Ah.
putain de gros. Pas à l'hôpital, mais il faut que ça arrête pas de couler. Donc ça fait 10 minutes, ça arrête pas.